J'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une marque de feutre à effet métallique. C'est donc une gamme de 24 couleurs de la marque OU. Franchement, je trouve que c'est une marque qui nous propose des produits d'un très bon rapport qualité-prix. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter j'ai beaucoup du mal, de mal dans les crayons à trouver un effet métallique qui me convienne. Donc, c'est vrai que du coup, je suis plus passée au stylo gel ou feutre qui nous propose cet effet. J'ai déjà ceux-ci qui sont franchement très bien, les Gangua, Ganya. Je ne sais pas trop comment on dit. Euh, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour 19 euros, vous avez 30 couleurs et vous avez une mine semblable au Stabilopen 68, petite mine classique de feutre. Ce que j'ai trouvé bien, en fait, dans cette euh, gamme OU, c'est que vous avez double mine. Et ça complétait très bien ce que j'avais euh, pour voir par rapport aux zones que l'on veut colorier tout simplement. Alors déjà, on a une jolie boîte comme ceci. Fond noir avec des motifs bien colorés. On voit direct la marque qu'on nous propose 24 couleurs. Et là, donc, qu'est-ce qu'on nous dit Couvrez le capuchon du marqueur immédiatement après l'utilisation pour éviter que l'encre ne sèche. Oui, ce sont tout simplement des feutres classiques, c'est de l'encre. Pour une utilisation optimale, Veuillez poser les marqueurs à plat lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Alors ça, il faut savoir que c'est valable pour tous les feutres. Soyons d'accord. Alors, on va les découvrir. Les voici. 24 couleurs. Voyons un petit peu le feutre. Feutre noir, d'un diamètre assez euh, conséquent, mais plutôt classique, style fibra color. Nous avons OU Metallic Pen, et vous voyez, voilà, l'originalité, c'est qu'on a deux mines. Là, une mine fine, et là une mine brush et j'ai trouvé ça super intéressant si on veut faire des grandes zones mine très fine alors il faut savoir qu'elle est plus fine que euh, la première marque que je vous ai montrée Guanya là donc vraiment je trouve qu'il est complète bien et voilà la mine brush Je vais vous montrer la différence sur un papier. Voici, alors mine fine, mine broche. Franchement, c'est top. Le fait qu'il y ait ces deux mines, ben je trouve ça super intéressant. Vous voyez, l'effet métallisé est super joli, bien présent. Mais un vrai effet métallisé, c'est pas un effet, je trouve, moitié pailleté, moitié métallisé. Vous allez voir le nuancier sur un colo, c'est vraiment métallisé. Donc en parlant du nuancier, le voici. Donc on nous propose 24 couleurs. Franchement il y a un peu de tout. Je vais l'enlever de la feuille, ce sera peut-être mieux. Pour éviter les reflets. Voilà. Les voici. Donc, vous voyez, alors le blanc, il y est vraiment. Hein. Jaune, orange, rouge, bordeaux, des roses, violets, bleu, vert, couleur or, un peu beige rosé, encore des marrons orangés, marron, noir, argent. Enfin, franchement, euh, et voilà, ben, les, franchement les reflets métallisés sont bien présents. Et pour le coup il reste dans le sens où mon nuancier ça fait déjà quelques temps que je l'ai fait et l'effet métallisé est toujours présent parce que des fois c'est pas le cas. Donc on a un joli choix de couleurs. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon après. Il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai envie de dire. Voici sur un petit mandala, histoire d'utiliser le plus possible de couleurs. Simple, et vous voyez, voilà. On n'a pas un effet pailleté. C'est ça qui est bien, parce que des stylos gel et tout pailleté, on en a. C'est vraiment métallisé. Et on a un joli choix de couleurs. C'est légèrement couvrant, hein, parce que là, il y a des, des parties où ça a couvert un peu le noir. C'est encre assez épaisse. Ça ne transperce pas, hein, puisque ce n'est pas alcool. Donc aucun souci, vous pouvez l'utiliser euh, sur tous les papiers. Bon, alors là, c'est vrai que le papier est assez épais, puisque si cette illustration vous plaît, elle vient du livre Mandala, la version noire, et il existe une version bleue, des éditions Coloria. Donc le papier est assez épais. Mais euh, de toute façon, ça ne traverse pas. Voilà, donc franchement, j'ai trouvé super. Alors, en gros, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, clairement. Ça reste euh, des feutres métalliques, euh, classiques, comme les premiers que je vous ai montrés. Mais ils font leur job, hein, il fait bien métallique et tout. Mais l'originalité, ben, c'est le fait de ces deux mines. Cette double mine, selon ce qu'on veut colorier, si c'est des grosses zones, franchement, avec une mine fine, bah, c'est galère. Là, on a le brush et je trouve ça bah, super. Donc, du coup, euh, cette, euh, cette gamme plus cette gamme, bah, euh, je suis très contente euh, de, de, des feutres métalliques que j'ai. C'est une super trouvaille pour compléter la première gamme que j'avais. Donc voilà, écoutez, vous pouvez les retrouver euh, au prix de 18 euros sur Amazon. Bon, alors ça bouge toujours, ok, mais c'est aux environs de ce prix-là. Donc ça reste tout à fait correct pour une gamme de 24 feutres à effet métallique et quand même ben, de la marque OU qui, je trouve, a plutôt un bon rapport qualité-prix. Voilà, bah écoutez, c'était une rapide petite présentation. Comme je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est, je trouve, le système de la double mine. <laughs> voilà, donc je voulais vous partager cette petite trouvaille. Écoutez, j'espère que la présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce à la vidéo, à laisser un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour pouvoir suivre les prochaines vidéos à venir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et en attendant, passez de bons moments colos.